Et y'a tout le monde, c'est Missy To. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo. Je voulais déjà vous souhaiter bonne année en retard. Mais bonne année les amis. Toutes les vidéos que vous avez vues pendant 2021, bah c'était tourné avant 2021. Donc je vous souhaite une très bonne année, bonne santé et profitez bien de 2021. On arrive en force. Aujourd'hui je vais vous présenter mon setup 2021. C'est vraiment du lourd les amis. Je pense que vous avez remarqué un petit truc, c'est la première vidéo que je fais comme ça. Mais est-ce que vous voyez pas qu'il y a un éclairage un peu différent que d'habitude? Je pense que si, il y a beaucoup de surprises qui vous attendent dans cette vidéo. On va voir comment mon setup a évolué au fil des années. Parce que ça fait quand même un an. Si vous voulez aller voir la vidéo que j'avais fait en mai sur mon setup 2020. En haut à droite, je crois que c'est là. Là les gars, ça va juste être énervé. Allez, c'est parti. N'hésite pas à t'abonner pour soutenir la chaîne et liker si ma vidéo te plaît. On commence tout de suite, let's go. Donc j'ai décidé pour cette deuxième vidéo setup de vous montrer toute ma chambre d'un coup et après on va aller sur les petits détails. Donc là je vais vous faire un gros plan assez stylé de ma chambre. Voilà les gars, profitez, let's go. Wanna talk that talk in reality, you have not seen me in action. You think the come up comes overnight, you ain't behind the scenes. Trust me, these things don't just happen. No shade of Gerald, but geez, don't come easy when you tryna eat up producing and rapping. I read that contract you sent me to sign, but excuse me, I can't help myself, I'm just laughing. Hey, you tryna cut. Donc les potes, je pense que vous avez pu voir, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc on va commencer par le plus simple, mon lit. Bah c'est un lit double quoi, voilà, avec ma table de chevet. Donc sur ma table de chevet, bah y a rien de fou, hein, y a un réveil et voilà. Et mon porte-manteau là derrière. Voilà, sinon rien de fou. Mais je pense que vous avez vu des petits trucs assez intéressants. Voilà. Donc c'est parti, on va passer à une petite étagère où il y a pas mal de choses dedans. Donc je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, on est là-dessus, sur sa petite étagère. Là, on a mon casque pour les vidéos YouTube que j'utilise tout le temps. Un casque de secours au cas où il casse, celui-là. Mon ancien décor, donc je sais pas si vous vous en souvenez encore. Mon ancien décor. Donc là, on a tous les roulements avec 5, avec 7, avec 9. J'en ai beaucoup. Là, on a des boîtes de transport de roulements, donc pour transporter des roulements. Si ça vous dit quelque chose, cette boîte, c'est eh bien effectivement dans la vidéo unboxing qui apparaît en haut à droite de l'écran. N'hésitez pas à aller la voir à la fin de cette vidéo. Là, on a mes gants pour faire du roller quand il fait froid. Toutes mes pièces de roller là-dedans, voilà. Là, on a toutes mes roues. J'en ai une trentaine à peu près dans ce gros bac. Donc une trentaine. La wax et le kitty, vous connaissez. Hop là. La wax qui a bien été entamée. Voilà, je pense que... voilà. Ah, j'ai oublié de vous montrer. Un bocal avec 3. Il y a des roulements avec 3 là-dedans. Des Lipton et voilà, en mode d'emploi. Donc là, je vous ai fait un peu le tour de toute cette partie-là. Ma partie déco, enfin, rangement de roller, vous comprenez. On va passer au truc du tournage. Donc c'est vraiment, vraiment stylé. Je vais pas vous donner les références parce que je les connais pas. Donc genre si vous voulez des références du trépied, par exemple, je ne les ai pas. Mais je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai choisi ça, etc. C'est parti. On commence d'abord par le décor, ce magnifique décor, les amis. Donc là, on a ma chaise pour m'asseoir et pour tourner mes vidéos. Là, on a mes rollers. Vous avez vu, ils sont verts. Ils sont vraiment stylés avec les nouvelles roues, là. Voilà, ça rend vraiment bien. Donc n'hésitez pas aussi, en haut à droite, la vidéo où je les custom et où j'unboxing tout ça. Mes anciennes platines, donc mes platines street maintenant. Root Rider Skate. Mes tout premiers rollers agressifs, les amis. Des rollers Razor. Crème. Non, vraiment hyper sympa ces petits rollers.
J'ai mis des lacets de roller. Dites-moi si vous trouvez ça stylé en commentaire. J'aimerais bien savoir si ça la trouve stylée ou si c'est moche. Ma boîte de roller actuelle. Razor, s'écrit en grand. Et un tableau. Voilà. Je trouvais ça stylé. On va décaler vers la gauche. Donc ça, c'est mon petit décor. Voilà. On va décaler vers la gauche. Non, vers la droite pour l'instant. Donc, là, vous avez vu avant ça. Là, on a un petit skate que j'ai jamais utilisé. Avec des trucks. Mon sac de roller que vous avez pu voir dans ma vidéo unboxing. Je vous conseille vraiment de la voir. Du coup, bah cet endroit, il y a toutes mes boîtes de Nike, mes colis que je trouve, je mets toutes les boîtes ici. J'aime bien garder les boîtes, ça me fait des souvenirs. Ah, je vous ai pas montré cette boîte. Dans cette boîte, t'as tous mes rollers. Bon, il y a des rollers roses que j'avais acheté une fois. Des rollers, mes rouges là, que vous avez sûrement vu dans nos anciennes vidéos. Et mes tout premiers rollers Oxelo. Donc j'ai pas envie d'ouvrir, mais bon, voilà. Donc là-dedans, il y a tous mes premiers rollers. La caisse Softbox, vous vous demandez qu'est-ce que c'est? C'est de l'éclairage. C'est pour ça qu'on est si bien éclairé en ce moment même. La trottinette Oxelo. Et là, bah, crash pad pour le roller. Protection genou pour le roller. Jeans, roller. Voilà les amis. C'est avec ça qu'on fait des bonnes petites sessions. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir mon edit en haut à droite que j'ai sorti il n'y a pas longtemps. Mon sac de sport, parce que je fais un autre sport. Donc ça, c'est tout plein de haut-parleurs que je n'utilise pas. Ma Xbox, mon caisson de basse, mon PC et un régulateur de volume. Tu connais. Bon, là, on a fait un peu tout ce qui était décor, envers du décor. Maintenant, on va passer au gros, gros, gros. Je vous ai montré avant un colis Softbox. Et ben, je vais vous montrer ce que c'est. Donc voilà, les amis, on a des Softbox. Donc j'en ai deux, une là et une là, en pack de deux à 70€ sur Amazon. La marque Amsdeal. Bon, je sais pas, mais ça a l'air stylé. Donc je les ai eu hier et vraiment, je les kiffe. J'ai déjà tourné quelques petites vidéos qui vont arriver prochainement sur la chaîne. Je pense que vous allez kiffer. Donc là, j'ai mis mes deux softbox de façon à ce qu'il y en ait une qui éclaire de gauche et une de droite. Et bien évidemment, mon tout nouveau trépied juste en face, avec un bon angle, histoire de bien voir mon décor. Voilà. Un casque gamer ici pour jouer. Petit écran qui va avec la Xbox, toujours sympa. Haut-parleur spécial pour le PC. Voilà, le PC qui fait le taf. D'ailleurs, on va le rallumer. La petite chaîne Missito, n'hésitez pas à vous abonner. Hein, ça fait toujours plaisir, les amis. Le clavier, la même chose que la dernière fois, donc Razer. Logitech G502 Bim. Et du bordel quoi. Voilà. Donc là on a la poubelle. Là on a mon sac d'école. Mon ancien sac de roller. Du chocolat, mes cours. Mon sac de transport pour le roller. Et là on a un tout nouvel endroit les amis. Tout nouvel endroit. C'est en fait une table où je vais mettre tout softbox, trépied. En fait, à chaque fin de vidéo, je les démonte et je les mets là et je les range. Donc, je les range ici avec le trépied. Mon ancien trépied qui marche pas tonnerre, hein, mais bon, voilà. Et une case en plus. Donc, on a fait un peu le tour de ma chambre. Je vous ai un peu montré toute ma chambre dans les détails. Tout mon setup. J'ai rien d'autre pour l'instant. Je le trouve vraiment stylé comme setup. Genre vraiment ça a un peu de la gueule quand même, je trouve ça vraiment stylé. Attendez, vous voyez ce plan? Regardez. Vous voyez ce plan maintenant? Il est pas un peu plus stylé avec la lumière? Je crois bien que si. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette petite vidéo setup 2021. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. On est bientôt 500, on a passé les 400 il y a pas longtemps. Mais on est bientôt 500 et ça je kiffe les amis. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, à commenter, dites-moi si mon setup il est stylé ou il est pas stylé, est-ce que je peux améliorer ou pas. Si vous avez des questions sur mon matériel, n'hésitez pas, j'y répondrai en commentaire. Et n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Et sur ce, moi je vous dis ciao, c'était Missito. On se retrouve mercredi prochain. Fin de tournage.